La belle Connexion, le wali et le RCD convoqués pour une photo avec le commandant Bourga. Le général, l'actuel ministre de l'Intérieur et le promoteur milliardaire Ben Abdella, la belle Connexion. Les investigations menées par Algérie Par ont permis de débusquer les connexions dangereuses établies par le général Belkessir, l'officier le plus corrompu de l'armée algérienne et l'ancien patron de la gendarmerie nationale, actuellement en fuite à l'étranger, avec certains hauts responsables du régime Tebboune et des richissimes hommes d'affaires. En effet, l'un des contacts les plus importants au sommet du pouvoir algérien du général Belkessir L'homme qui est officiellement cité, lui et son épouse Fatia Boukers, l'ex-présidente de la cour de Tipaza, dans plusieurs dossiers de corruption et des scandales politiques comme celui de Lou, l'ex-ministre de la Justice, s'appelle Kamel Beljoud, l'actuel ministre de l'Intérieur du gouvernement d'Abdelaziz Djurad. L'ancien ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville du 31 mars au 19 décembre 2019. L'un des éléments clés du clan du général Ghali el Les deux hommes se connaissent depuis au moins 2014-2015 lorsque Kamel Beljoud était Wali délégué à Zeralda. C'est un richissime promoteur immobilier qui avait tissé le lien entre le général Ghali El et l'actuel ministre de l'Intérieur. Ce promoteur milliardaire s'appelle Omar Benabdella, et il possède de nombreux projets immobiliers à travers le pays. Des projets qu'il doit entièrement à son mentor et associé secret le général Ghali Kessir. Des projets immobiliers très juteux qui ont permis à Omar ben Abdellah d'amasser une fortune colossale, à l'image de la résidence numidia située à Elamamat, au nord-ouest de la capitale Alger, qui a fait l'objet d'une précédente révélation faite par Algérie par... Nous sommes en train d'approfondir nos investigations sur Omar ben un homme d'affaires considéré comme l'homme de paille du général Gali Belkessir. Propriétaire d'hôtels en France, notamment à Nancy et des biens immobiliers à Paris, ce businessman très discret et méconnu de l'opinion publique est en quelque sorte l'arme fatale du général Belkessir dans le milieu des affaires. Promoteur immobilier en Algérie, le secteur privilégié par le général Gali Belkessir pour les affaires, Omar Benabdallah possède un bureau d'études appelé 3D Expert. Situé à Bir Moura de Raïs, Alger, et il est le partenaire d'une société de réalisation des projets immobiliers au Liban et à Dubaï, activant en Algérie sous le nom de la SARL HEG. Le général Gali Belkessir fera tout son lobbying au niveau de plus haut sommet du pouvoir algérien pour permettre à Kamel Beljoud de grimper les échelons et d'accéder au poste de secrétaire général du ministère de l'Habitat entre 2016 et 2019. Entretenant à l'époque de très bonnes relations avec Abdelmadjid Aboum, ministre de l'Habitat et l'un des piliers du bouteflikisme, le général Ghali el trouve à Kamel Beljoud le parrainage dont il avait besoin pour entamer, plus tard à partir de 2019, une carrière de ministre. En attendant, quand Kamel Beljoud était le secrétaire général du ministère de l'Habitat, et lorsque Gali Belkessir obtient en octobre 2017 le poste de chef d'état-major du commandement de la gendarmerie nationale, les affaires du clan Belkessir vont tourner à plein régime, et de nombreuses promotions immobilières vont voir le jour sous le couvert du nom d'Omar Ben Abdallah et de ses associés. Aujourd'hui, Ghali Belkessir en fuite à l'étranger. L'actuel ministre de l'Intérieur est, selon nos sources, l'un des éléments blocage qui empêche le déclenchement de poursuites judiciaires à l'encontre de l'ex patron de la gendarmerie nationale un élément parmi tant d'autres car le clan Belkessir est toujours en force au sein du pouvoir algérien nous y reviendrons avec davantage d'explications pour étouffer la dissidence à alger le vali s'en prend aux terres cédées Décidément, tous les moyens sont bons aux yeux des décideurs pour étouffer le mouvement de dissidence populaire, y compris les manœuvres les plus inavouables. Tous les manifestants à Alger savent que la rue Didouche Mouradou se situe le siège du RCD et l'un des épicentres des manifestations avec Bab El Oued et Belouizdad. Alors, pour commencer à démonter ce triangle de la révolte populaire, le wali a décidé de viser en premier le siège du Rassemblement pour la Culture et la Démocratie hier mardi un commissaire de police s'est ainsi présenté au siège régional de ce parti avec une notification signée du wali d'alger enjoignant les responsables de se limiter aux activités administratives et partisanes. plus d'activités extra partisanes dans le siège régional du rcd donc voilà donc l'administration qui se mêle des activités d'un parti légal à croire que le siège du rcd est transformé en unité de quelques productions commerciales. Ce n'est certainement pas la quiétude des habitants qui inquiète le patron de l'administration de la capitale. Que veut dire des activités extra-partisanes dans la conjoncture actuelle? Tout, et rien du tout. Mais non, ce qui gêne en réalité l'Auguste Wally, c'est lentre politique de ce parti qui s'est impliqué dès le début dans le mouvement de révolte populaire. Cette occasion a-t-elle une assise légale ou juridique? Le pouvoir qui a promis apaisement, Libération des espaces de débat, une justice indépendante, etc., est en train de faire l'exact contraire de ses discours. Hamza Roubi convoqué pour une photo avec le commandant Bourga. La main lourde de la justice et du système policier poursuivent leur acharnement contre les manifestants pacifiques. Le syndicaliste. Membre du COSIFOP, Hamza Keroubi, convoqué par la police pour une photo qu'il avait prise avec l'Akhdar Bourga, rapport le CN et LD dans une information publiée sur les réseaux sociaux. Mercredi 22 janvier à 10h, audition dans le fond, devant la chambre douce du tribunal de Sidi Mamed, des dossiers des trois détenus Mahdi Saïd, ou Saïden Ahmed et arabe Mohamed. Par ailleurs, la même source révèle que le procès des ex-détenus Raouf Raïs, Ali Yebou, mais Saoudi, que l'a fait condamné à deux mois de sursis et libéré le 30 décembre 2019, tribunal de Sidi Mamed, avec les cinq autres qui étaient sous contrôle judiciaire, tous arrêtés le vendredi 1er novembre à Alger pour le port du drapeau à Mazir, est programmé pour le 20 février prochain à la cour d'Alger, Ruisseau. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.